On accueille Mohamed à présent. Oui, bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, donc bonsoir, monsieur Bourg. Bonsoir, Mohamed. Bon, écoutez, je vous avoue que j'ai pas trop écouté l'émission. Bah comme les autres, quoi. Comme... Et Les je vous mecs, ai ils pris viennent un en peu. antenne libre faire leur baratin. Mais vas-y, c'est une antenne libre, tu peux Non, 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 parler. mais c'est. Non, non, Je mais t'écoute, Mohamed. ce que je veux dire, c'est que parfois on écoute et on ne comprend rien. On a l'impression d'avoir compris et on n'a rien compris. Tandis que là, j'ai écouté 2 minutes d'antenne et je dois avouer que je trouve qu'il y a une certaine lucidité dans vos propos, enfin, un certain cynisme et une certaine lucidité dans vos propos. Par exemple, quand vous dites oui, mais quelle humanité? L'humanité est hétéroclite. Est-ce que vous pouvez développer en fait vos concepts, l'inexistence de l'humanité en tant que masse homogène Mais je sais pas, moi qui serait capable. j'appartiens. Attends, attends, je finis juste parce Vas-y, que vas-y, vas-y. je suis vraiment Vas-y, pas très ouais. prolixe ce soir, mais Vas-y. c'est-à-dire un troupeau, pour moi, ça signifierait, vos propos sous-entendraient que nous ne sommes qu'un troupeau de brebis égarées, chacune allant dans son sens. En ignorant totalement toute logique collective, et Mais pas de... en étant totalement déconnecté de la réalité. Et puis de l'autre côté, vous dites, oui, mais quelle conscience? Donc c'est intéressant, non, mais c'est intéressant d'avoir une conceptualisation de la notion de conscience. Alors. Une conscience planétaire, ça n'existe pas. Sinon, Non, mais je suis bien d'accord. dans certaines visions extatiques, c'est bien possible. Mais au quotidien, dans la conception quotidienne, sociopolitique du monde, ça n'existe pas. Tu appartiens à un peuple. Tu appartiens à une tradition, que tu le veuilles ou non. Tu n'es pas né sur la Lune. Enfin, moi, le premier. Bon. Excuse-moi de vouloir rester dans cette Non, mais filiation qui t'as est la pas à mienne. t'excuser. Hein, mon père s'appelle X, il s'appelle pas Z, voilà, tout simplement. Mon Ouais. arrière-grand-père non plus. Bon, je crois ce canal comme ça. Et ce canal est aussi celui de toute une civilisation en même temps, pas simplement de ma vie personnelle. Et de plus en plus, avec plus en plus de force, je suis attaché à ma civilisation, qui est la civilisation européenne, pour y revenir, hein, à la France, à Ouais. son histoire, et même avant la France, aux traditions dont j'ai parlé ce soir, en parlant de Merlin, à la tradition païenne et celtique de cette vieille Europe. Bon, D'accord, ça, ce d'accord. sont les Attends, fondements des... est-ce que je peux te reposer une question? Vas-y, ouais. J'ai bien compris à peu près ton profil. Bon, on a tous compris. Non, la question c'est l'inexistence. Est-ce que l'inexistence de la conscience, parce que pour moi, la conscience n'existe pas. En fait, je vais dire un petit peu le fond de ma pensée. Mais quand j'entends tes propos, en fait, toi, tu veux dire il y a une conscience ethnique, ethnocentrique. Génétique, Mais chaque peuple. éducationnelle. Non, mais Mais la conscience. On est dans un monde confus. Donc, difficile Oui. aujourd'hui de parler de ça, parce que beaucoup de peuples ont renoncé à leur particularisme. Hein. Ouais. Chaque peuple avait son identité, sa culture, sa civilisation, Mais ses qu'est-ce qu'un pratiques, ses peuple? croyances. Mais qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'une La civilisation? réunion d'individus sur un territoire donné, depuis des millénaires et vivant avec les Depuis des mêmes. millénaires, mais Oui, bien comment sûr, bien peut-on sûr. établir qu'un peuple était établi depuis des millénaires Ben, la sur un France, moi je suis territoire? en France, je peux parler de la France par exemple, Non, bien mais sûr. qu'est-ce que l'histoire nous enseigne de véritablement Ben, que inscrit dans le marbre? les Européens sont là depuis des millénaires, c'est tout simple, Mais c'est de la palissade. qu'est-ce que l'Europe, mais depuis la fondation, avant la fondation de l'Europe, qu'avons-nous comme certitude Ben, sur l'existence de peuples? l'existence des peuples européens, je suis désolé, dans les fondations de l'Europe et son Non mais histoire, par il n'y a exemple, pas la est-ce Chine, que il n'y a demain on pourra pas dire que les États-Unis c'est un peuple, rien à c'est un voir, continent? rien à Ah, ça voir, n'a rien à voir. Mais non. pourquoi
Ce qui s'est passé. Non, rien à voir. Les États-Unis sont un peuple. Un pays, l'invasion. Non, les invasions, ça n'existe pas en Europe. Les États-Unis sont un peuple jeune qui ont été créés. Oui, mais il n'y a jamais eu d'invasion. Faites par des Européens. Faites par des Européens. Parce qu'avant, il n'y a pas eu d'invasion. Elles ont été repoussées. Les Huns ont été repoussés, l'islam a été repoussé sans cesse dans l'histoire. Non, mais ça c'est après. C'est après. Cite-moi, l'Europe n'est pas d'origine chinoise ni islamique, elle est européenne. C'est simple, c'est tout simple. Mais j'ai pas dit qu'elle était. Non, mais c'est pas parce que je me pose la question de l'antériorité d'un peuple qu'on ne pourrait pas forcément considérer comme étant indo-européen que de facto je peux considérer qu'avant la présence des Européens, il y avait des islamo-sinos, etc. Pas. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y en avait pas. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y en avait pas. Y a-t-il un attachement territorial en fonction du morphotype, en fonction de l'origine ethnique de l'être humain? On peut se poser la question. Mais déjà, dans les sociétés celtiques, tu appartiens à un clan, comme dans une famille, de la même manière, avec des croyances qui relient, qui font la force de la communauté. La communauté, ça s'appelle. Après, on peut élargir ça, la communauté européenne, au sens, attention, pas celle d'aujourd'hui. Tu élargis ça à la communauté européenne. Donc, non, pas celle d'aujourd'hui. La culture celte, c'est forcément toute l'Europe. Quoi. Bien sûr. Bah, celle d'hier. Mais bien sûr, elle a recouvert toute l'Europe. L'Irlande, l'Angleterre, l'Espagne, bien plus loin que ça encore. Tu la trouves jusqu'en Russie. La Russie appartient à l'Europe, pas à la Turquie. Ouais. Est-ce que, donc, finalement, si on écoute tes propos, tu as des certitudes historiques? Non, elles sont... Absolument. Mais je n'ai pas de certitudes, c'est l'histoire qui parle. Elles sont partagées par d'autres personnes. C'est l'histoire qui le dit, toute l'histoire. Montre-moi. Mais c'est toute l'histoire qui le dit, mais quelle histoire? Mais quelle histoire? Notre histoire. Mais non, c'est pas un mensonge. Personne ne conteste. L'histoire n'est qu'un mensonge que personne ne conteste. Et ça, tout le monde l'a dit. Dans les années 50 déjà, la population qui était dans la rue que je croisais était typiquement européenne. On l'a inventé celle-là? Non, je m'en rappelle, j'étais gosse moi. On était dans les années 50, mais tu vois. Alors, on peut remonter en arrière. Ça va s'affiner de plus en plus, de manière de plus en plus précise, de plus en plus européen. Justement, c'est flou. Votre vision historique, elle est aussi floue que la population dont vous fustigez le caractère hétéroclite. À l'origine, parce que c'est pas votre vision historique, c'est la vision que vous croyez connaître de l'histoire. Alors cite-moi dans les fondements de l'Europe la présence d'autres peuples extra-européens. Il n'y en a pas. Cite-moi-en. Vas-y. Cite-moi des peuples. Mais je ne peux pas citer à partir du moment où mes sources ne sont pas sûres, à partir du moment où les auteurs que je vais citer ou que je peux citer ne sont pas dans votre répertoire culturel et dans les répertoires culturels des personnes qui sont ébahies devant vos théories. Mais non, parce que l'Europe médiévale, elle est européenne. Vous êtes un centre de pensée et des gens bien sûr se rattachent à vous avec certitude et sans analyser, sans faire. On peut pas faire de recherche historique précise. Aller fouiller dans les archives, aller faire des datations carbone 14. Il n'y a pas besoin de carbone 14. Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Parce que vous êtes anthropologue. Une population blanche en Europe, c'est tout simple. Non, mais je vous pose la question. Moi, je parle franchement. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout à fait intéressant, mais est-ce que nous sommes en capacité de dire qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen à la jugeote nécessaire qu'un anthropologue pourrait avoir pour déterminer l'origine ethnique d'une population qui serait établie sur un territoire donné 4000, 5000 ans, 6000 ans, oui, les Celtes, 6000 ans les Celtes, avant Jésus-Christ. 5000 ans avant Jésus-Christ, les Celtes, déjà, population celtique. Mais personnellement, je dis que c'est une incertitude. Va voir les musées d'archéologie dans toutes les villes. Le musée de l'archéologie, oui, je l'ai... Verras que tout ce que tu trouves appartient à la même civilisation, désolé. Non. Ah bon, À une civilisation, ça appartient à une civilisation que l'on dit être celle que vous décrivez. Eh bien, qui vit en Europe, donc européenne, c'est un territoire, l'Europe. Mais, c'est un ensemble de territoires. Mais je ne sais pas, justement, c'est géographique. Justement, j'en sais rien. Ça va de l'Atlantique à l'Oural, voilà. Ben non.
Non, ça, c'est les propos de Churchill. Non, faut arrêter, quoi. Mais c'est la vérité, c'est le même peuple, c'est le même peuple. Non, mais peuple. Faut arrêter avec cet irrédentisme, cette obsession de l'identité. L'islam, c'est l'Arabie saoudite. Mais j'en ai rien à foutre de l'islam. Non, mais c'est l'Arabie saoudite. Mais j'en ai rien à foutre. L'Arabie saoudite. Après, ça a été d'autres pays par la conquête. Bon. L'Arabie saoudite n'existait pas à l'époque de l'islam. C'est l'équivalent. C'est le même territoire. C'est le territoire. C'est cette terre-là, en tout cas. Mais c'est pas le territoire. Pas du tout. Pas du tout. Et la seule partie. L'islam, c'est né à Médine. C'est né à Médine. C'est même pas. Oui. Ben oui, mais c'est la péninsule arabique, ce qu'on appelait la péninsule arabique. Elle s'est exportée ensuite dans certains pays par la conquête, ça les regarde. Oui, mais l'Europe a été protégée tout le temps, mais pas que de l'islam, des invasions de toutes les invasions venues du fond de l'Orient ou de l'Asie. L'Europe a toujours été protégée des invasions. Non, mais bien sûr. Non, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est la première fois de ma vie. La conquête musulmane, ça n'a jamais existé contre l'Europe depuis le 6e siècle, depuis le 5e siècle. Je parle de conquête pré-islamique, hein, je parle pas de la conquête musulmane. Hein, parce que déjà, ce que les Celtes viennent du Danube. Amin Malouf, c'est que les conquérants. Ah ben Amin Malouf, avec un nom comme ça, évidemment. C'est en fait que des Espagnols. Bah oui, avec un nom comme ça, il ne va pas se trahir lui-même, hein. Il ne va pas se trahir lui-même, évidemment. Il est cohérent avec son propre propos, hein. Il défend sa propre thèse. Non, mais c'est parce que moi, je doute. Il s'appelle pas Jean-Pierre. Et c'est bien d'apporter des certitudes, mais j'aime bien vous écouter, parce que vous nous apportez tellement de certitudes, surtout, que c'est vraiment exceptionnel avec vous. Ben, l'Europe est pré-celtique, elle est d'abord. Ce sont les mêmes peuples. Oui, mais les affirmations. Oui. Mais mes affirmations, elles sont. Mais mon vieux, prends l'histoire de France, tout simplement. Non, mais montre-moi. Prends l'histoire du monde. Si tu as la prétention de connaître l'histoire du monde, je te dis bravo. Et je m'en fous du monde. Bravo, moi, je te parle de l'Europe. Je ne parle pas de l'Asie. Oui, mais l'Europe, qu'est-ce que c'est que l'Europe? De l'Atlantique à l'Oural, ça, c'est les formules de Churchill, c'est les grands discours. C'est une même civilisation, d'abord païenne et ensuite chrétienne. C'est pas une même civilisation. D'abord païenne et ensuite chrétienne. La civilisation n'existe pas, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Camarade. L'humanité n'existe pas, la civilisation n'existe pas. Mais si, la civilisation existe, évidemment qu'elle existe. L'Europe n'existe pas. La civilisation européenne existe, évidemment. Et elle est en train de disparaître. À cause des flux. Parce qu'elle n'a jamais existé, c'est tout. Elle est très bonne, celle-là. Ah, il est bon, lui. Ah, t'es très bon, toi. Elle a jamais existé. C'était vraiment. Bon, c'est quand quel genre de personne qui dit que les Gaulois n'ont pas existé, alors que. Non, c'est pas. Je crois pas, quoi. Vous êtes dans le révisionnisme historique qui vous arrange, et c'est très grave. Très grave. Ça va au-delà de ton. Dans ces cas-là, il faut me convoquer au tribunal de l'Inquisition. Oui, ça va au-delà de ton petit sourire sympathique, c'est très grave. Que tu participes justement à l'effondrement de ce toi, pas toi tout seul, tu n'as pas le pouvoir de jeter une bombe. Quel effondrement, mais ça fait une civilisation avec ses mêmes valeurs. Mais quelle valeur, tu ne les connais pas, tu n'es pas ces valeurs-là, toi. Mais je les connais pas, mais vous ne les connaissez pas non plus, vous prétendez les connaître, mais en fait, quelle est la conscience qui portait ces valeurs? Quelle conscience portait ces valeurs? En quoi les peuples de cette époque avaient une conscience avec ces valeurs? Qu'est-ce que vous en savez? La conscience, c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans les manuels d'histoire. Arrêtez avec le mot conscience. C'est quelque chose, justement, l'on expérimente au niveau individuel. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez oui, mais la conscience, ça n'existe pas. Ben alors, en quoi la conscience de certaines valeurs existerait à une certaine époque historique pour un territoire donné, sur un peuple donné? Une conscience n'existerait pas pour d'autres peuples qui aujourd'hui prétendent vivre dans le même village. Pourquoi ça n'existerait pas aujourd'hui et ça existait hier? Pourquoi? Écoute, d'une Europe homogène que j'ai connue, on a créé maintenant une Europe de communautarisme. Voilà le danger. Hein, c'est la bombe atomique, ça. Oui, mais peut-être, bon, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a plus urgent aujourd'hui. Hein. La mémoire, hein. Je m'en souviens. C'est celle qui est en train de. Que l'Agence internationale de l'énergie atomique est en train de décrire comme un danger. C'est ça, la bombe atomique, pour moi. C'est pas une histoire de communautarisme ou pas, quoi. D'abord, pour vous. Et la démographie en Europe est augmentée par des flux migratoires et non pas par des Européens. Ça vient d'où pour vous le communautarisme? Ce sont des communautés implantées qu'on a laissées rentrer en France, qui sont regroupées entre elles autour de mêmes valeurs, de mêmes croyances, qui ne sont pas les nôtres. Qu'on a laissé rentrer en France, donc des envahisseurs. Quoi, oui, mais pas envahisseurs au sens, ils ne sont pas venus avec des armes envahir la France. Oui. On leur a ouvert les portes.
pour des raisons, stratégiques qui sont au-delà. On va vous ouvrir les portes, venez nous apporter le communautaire. Quand Giscard décrète le regroupement familial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement tu viens tout seul, mais tu amènes qui tu veux aussi en même temps. Voilà. Ça veut dire qu'on passe maintenant à un nombre. Ça veut dire que l'Européen de souche est minoritaire. Je suis un Indien dans mon propre pays. Voilà, mon pote. Ok, merci Mohamed. Salut. Salut Sam. Oui. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Bonsoir Sam. Je vous appelle. En fait, j'ai pas écouté l'émission depuis très longtemps. Mais j'ai été étonné par une de vos phrases, à savoir que l'Europe n'a jamais est une entité complètement identitaire et qu'elle n'a jamais eu de mélange venant d'ailleurs. Non. Elle est européenne. D'accord. Alors cite-moi des exemples extérieurs. Là-dessus, je suis complètement. Cite-moi un exemple extra-européen avec vous. Si vous me permettez, je vais m'exprimer. C'est la première fois que je vous appelle. Je suis un peu ému, vous comprendrez. Oui. Mais voilà, j'ai vécu longtemps avec une personne d'origine kabyle qui a fait une thèse sur les Celtes notamment, sur la culture basque. Et je vous invite à vous renseigner. Il y a des mélanges certains et prouvés culturellement, par exemple, entre la culture kabyle et la culture basque. Oui. Et il semblerait même que la culture celte serait un peuple qui viendrait d'Afrique du Nord, qui serait remonté. Non. Vous dites, elle est très bonne. Je vous invite vraiment. Le révisionnisme, il est génial. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Mais allons. J'ai déjà écouté certaines de vos émissions. Les Celtes viennent du Danube. Des choses très dangereuses. Les Celtes viennent du Danube. Et j'ai l'impression que vos connaissances sont très. Les Celtes viennent d'Afrique du Nord. Elle est géniale. C'est la nouvelle trouvaille. Bien sûr, je vous invite. Je sais que ça allait vous choquer. Mais non, c'est pas. Ça ne me choque pas, c'est aberrant, Je vous invite maintenant, monsieur, parce que je suis étonné qu'on vous laisse une autant d'antennes et dire des choses comme ça. Mais c'est toi qui dis n'importe quoi. Je vous invite à réorienter vos recherches, franchement, et arrêter de sortir des inepties qui, alors, à l'heure actuelle... Alors, où as-tu vu que les Celtes venaient d'Afrique du Nord? Où as-tu vu ça? Écoutez, alors il y a des... Les invasions celtes viennent de l'Est. Elles viennent de l'Est. Dans la langue basque, dans les costumes basques. Mais les Basques, c'est un peuple mystérieux. Je vous invite en tous les cas, et notamment entre la culture celte et la culture kabyle. Je sais que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. Non, je ne dis pas que les kabyles ne m'intéressent pas. Vous n'allez pas chercher dans ce sens-là. Non, attention. Vous allez chercher dans le sens d'une Europe hermétique. Quand je ne trompe pas. Et ce que vous dites est dangereux, monsieur. Les kabyles et les berbères sont les populations... Justement, berbère est un nom... Sont les populations identitaires du Maghreb, ok? Non, ne vous arrêtez pas à ça. C'est bien avant l'identité du Maghreb. Le Maghreb, vous savez peut-être d'où ça vient. Il a été romain, il a été occupé par les Vandales, par les Latins, par les Romains. Avant l'islam, bien avant l'islam. Et je vous invite à vous renseigner notamment sur les similitudes de langue entre la langue kabyle, la langue basque. Ça, je viens de croire là-dessus. Et toutes les similitudes par rapport à la culture celtique, dont vous parlez beaucoup, et la culture kabyle. Je sais très bien que vos recherches ne vont pas du tout dans ce sens-là. Non, je ne te dis pas qu'il y a... S'il vous plaît, élargissez votre esprit. On ne s'est pas compris. Je ne te dis pas... Mais non, mais tu fais une généralité. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de similitude entre les Basques et les Berbères, enfin, vous l'avez les Kabyles, par exemple. Arrêtez avec ce mythe de l'Europe hermétique. Elle existe, elle est réelle. Elle est enracinée, mon vieux. Non, lesquelles? De civilisation. Toutes les invasions extra-européennes ont été repoussées. Toutes. Des mouvements et arrêtez, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un... Tu as vu dans l'histoire des Mongols s'installer et se mêler à la population européenne? Hein? T'as vu ça, toi? Et vous propagez votre frustration sur... Mais non, c'est l'histoire qui parle. Quelle frustration, c'est l'histoire. Mais apprends. Mais c'est marrant, des mecs qui débarquent en France et qui connaissent pas l'histoire de ce pays. Mais j'y crois pas. Apprends l'histoire de ce pays d'abord, et pas après. J'ai passé mon message. Je pense que les gens l'auront entendu. Et s'il vous plaît, élargissez... Le révisionnisme, ça va. Ok, on a compris. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, élargissez votre esprit. Sortez de vos petits tracas d'Aubervilliers où vous avez l'impression d'être un Indien. Il n'y a pas de tracas, c'est les grands livres d'histoire. Moi, je suis choqué quand je vous entends. Monsieur. C'est la civilisation entière qui dit ça, c'est pas moi. Je suis même désolé que Radio Ici et Maintenant vous laisse une
problème. Ça voilà. T'arrangerait bien, hein. Maintenant, ça arrange tous les empoisonneurs, toi, Virey, bien sûr. Je vais vous laisser, les auditeurs auront entendu ce non, que on a trouvé une grande trouvaille, là, les selles viennent d'Afrique du Nord, ça c'est nouveau, hein. Excuse-moi. C'est voilà, je vous remercie, bonne soirée. Merci à toi, Sam. Relis les bonne numéros soirée. Spéciaux qui sortent tous les mois, il y a tout un courant actuellement, je ne sais pas pourquoi, dans les médias sur les Gaulois, les Celtes, des numéros spéciaux. Le Parisien, un journal populaire, a fait ça une là-dessus avec 4 pages à l'intérieur. Tout est dit, ils viennent du bassin du Danube, hein, bien sûr. Et j'ai lu nulle part que les Celtes, eh bien, bon, on le sait, ça, tu te racontes des conneries énormes. Ça, parce que ça t'arrange toi d'une façon. Bah, on ne va pas rentrer dans les détails, ça va. Ça arrange ton discours et tes croyances, c'est tout. C'est tout simple. Et c'est ça le piège chez nous qu'il faut éviter et surveiller. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. On va écouter peut-être pour finir, tiens, parce que Black Tartan, un morceau celtique qui bouge bien. Très bien. Eh bien, on va se quitter avec ça. Merci à toi, Jean-Paul. Merci, Lisandre. À la prochaine. Et merci à ceux qui ont appelé. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et que Merlin soit avec nous aussi, bien sûr. Il existe. Il n'a pas quitté ce temps réel. À bientôt, Jean-Paul. À bientôt. Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. Et pour conclure cette émission, The Black Tartan. So much fun.